Encuentro. Ong tung ra pa ka to ka jama ka ni te pithi samaka. Su sdai luk Scanberg ta luk riep cham khluon hai re nau. Yes, Your Honor, I'm ready. Bat luk pathean khnyom triem ruy ro hai. Akun che bto ta ni ong me phdal vetika chun te krom vetika ka pi kdai luk Khieu Somphorn dambei banto ka tang phun muot nei dao chepuh sak sai rup ni. Som cheung. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Schanberg. Je m'étais arrêté. Nous avons évoqué votre. En train d'évoquer votre expérience. Je voudrais revenir quelques instants Vous avez suivi Vietnam, savoir si dans le cadre de votre travail en Vietnam, Lorsque vous êtes arrivé Alors, les interprètes me demandent de me rapprocher du micro. On m'avait expliqué un petit peu plus tôt que je parlais trop fort. J'ai essayé de trouver une voix médiane. Monsieur Schanberg, est-ce que vous avez entendu ma question? Yes, your question was quite clear here. And, there is history the bombing that was done secretly, but not until they asked permission and got permission, not in writing, but permission to bomb what was the Ho Chi Minh Trail, because the trail where supplies and new troops were channeled from Vietnam. For political and other reasons, we're getting very desperate about wanting to end the war in Vietnam that had gone on for a long time. And so they were bringing, reducing the size of their troops in Vietnam. And, and the Vietnamese had asked for permission to build these sanctuaries Vietnam, and to bring in food
from the sea, the Gulf of Siam. And they were getting supplies in that way. The Americans knew it, so they went to Sihanouk, and I don't know who individually went to Sihanouk, but they got permission verbally to bomb the trail. ដើម្បីធ្វើការទម្លាក់ក្របបែកនៅតាមផ្លូវលំ in which he was removed from being the head of the government, Run by Lon Nol, and that was wanted help from the Americans. The Americans agreed but they didn't tell the Cambodians, all the details. So suddenly, in April, maybe it was even in March, an incursion, an American incursion, several thousand soldiers into Cambodia, to destroy the sanctuaries, and destroy part of the Ho Chi Minh Trail. Nixon called it, President Nixon called it the Nixon doctrine. To be able to defend themselves. So But what they did was, the result was, that the war, which up to that point, had only followed areas close to the eastern border of Cambodia and Vietnam. Now the war was breaking out all over the country. And so our troops, our being the American troops, who were removed after this 6 week incursion, as it was called. And the Khmer Rouge began to sort of enlarge. What also happened was that the Americans, having been bombing in secret for 9 months, now got permission from the Cambodians to bomb anywhere in the country. Now, no one knows. I'm telling you just the way it hit me, that's all. No one knows what would have happened if the Americans hadn't come in and bombed. But in any case, at that point, Cambodia was in the Vietnam War. And that's, I think, that is the link you're asking. Précisément. Juste un point. Particulier, vous avez indiqué qu'au départ, les bombardements étaient à l'armée au camp adverse était une tactique courante. Est-ce que
ce même principe qui s'applique dans la décision des États-Unis par rapport aux sources qui vous ont informé. I don't think I can answer that question. But in any case, all I'm observing is this new bombing and this new relationship for Saddam Hussein broke relations. Je pense que nous avons un problème de compréhension. Peut-être que ma question n'était pas assez claire. Quand je vous pose vos questions, c'est en votre qualité de journaliste qui a l'habitude de couvrir des conflits. Donc la question n'est pas de demander ce qui se serait passé. Je vous demande surtout pas de faire des conjectures. Simplement, j'essaie de savoir si dans les stratégies militaires qui vous ont été communiquées ou que vous avez eues à connaître, s'il s'agissait de stratégies qui étaient courantes compte tenu de votre expérience dans le cadre de conflits. Je précise ma question. Hier, vous avez évoqué avec M. le procureur international les tirs dont vous avez été témoin début 75 sur l'aéroport de Phnom Penh. They wanted the
Ta hay che ke chang ai rotha vibal lunol nau banto ruh rian to te muk tiet. Da ka khnyom ai chomriep ruk srai ban tae panang. Ha khnyom ke tha vi mon men che avai dae sam srob dae dae sam smal khnie nu te. What the Americans were bombing for supply routes. They were trying to bomb Khmer Rouge soldiers. Toujours sur ce thème des bombardements, vous avez dit comment de la piste Ho Chi Minh, ça s'est étendu à l'ensemble du territoire cambodgien. Et vous avez indiqué aussi que dans le cadre de vos déplacements entre 75 et au Cambodge, vous avez personnellement été témoin des dégâts causés par les B-52. Première question. Première question, dans les régions que vous avez visitées qui avaient été dévastées par les bombardements américains, vous avez indiqué hier que vous ne trouviez plus de population quasiment et que vous n'aviez que peu l'occasion de vous entretenir avec les gens sur place. Néanmoins, est-ce que dans ce que vous avez constaté au long de ces différentes années, est-ce que vous avez pu voir le paysage et les champs, les rizières que vous aviez pu voir les années précédentes? Est-ce que vous avez vu la modification de ce paysage au fil des ans et au fil des bombardements? Yes, I would imagine that there would have to be changes. That didn't happen. And that's really all I can say. Est-ce que lorsque vous étiez à Phnom Penh, hein, vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec un prêtre français du nom de François Ponchot? Est-ce que vous vous souvenez qu'il était également à l'ambassade de France lorsque vous y étiez? Hier, en discutant de la question des déplacés à Phnom Penh, vous avez indiqué qu'à votre connaissance, en tout cas, les déplacés que vous aviez interrogés fuyaient, selon les informations qu'ils vous ont été données, les zones libérées, et qu'à votre connaissance, si j'ai bien compris votre déposition, vous allez me corriger si je me trompe, mais qu'à votre connaissance, il n'y avait pas de gens qui fuyaient, qui avaient fui les bombardements américains. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ou est-ce que vous avez d'autres éléments à apporter? You're talking about
I really can't follow that question. And he wrote about Excusez-moi. Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que là, il y a une vraie incompréhension. Peut-être que mes questions ne sont pas plus précises, alors je vais essayer de le faire. Je vous parle, maintenant je m'intéresse, là pour l'instant je suis à la période avant le 17 avril 75. Je voulais simplement rappeler les conditions dans lesquelles vous auriez pu rencontrer François Ponchon, mais là ma question sur les déplacés correspond à la période entre 70 et début 75. Donc sur cette période-là, sur cette première période-là, hier lorsque vous répondiez à mon confrère Copé, j'ai cru comprendre que vous aviez indiqué que les réfugiés avec lesquels vous avez parlé dans les camps de réfugiés ou dans les hôtels qui accueillaient les réfugiés à Phnom Penh, que les réfugiés et les déplacés auxquels vous avez parlé à ce moment-là, vous avez indiqué qu'ils fuyaient les zones libérées par les Khmer Rouge et que vous n'avez pas parlé à des déplacés qui fuyaient les bombardements qui auraient fui auparavant les bombardements américains. Donc, je ne sais pas si c'est clair le rapport que je fais. Donc j'ai bien compris votre déposition à l'audience. La raison pour laquelle j'ai évoqué avec vous M. François Ponchon, c'est que ce dernier est venu témoigner devant cette chambre et à l'audience du 10 avril 2013, à l'attention de la Chambre des parties, il s'agit du PV d'audience E1-179.1. Et c'était un petit peu avant 9h15. Voilà la question qui est posée à M. Ponchon, qui donc habitait avant le 17 avril 1975, depuis plusieurs années au Cambodge. Voilà la question qui lui est posée. Est-ce que ces réfugiés vous ont-ils dit s'ils fuyaient les combats en général ou bien si certains d'entre eux fuyaient le traitement qui leur était réservé par les Khmer Rouge? Sa réponse est la suivante. Il y avait ces deux situations-là. D'une part, ceux qui avaient peur de la guerre. Comme on dit en Khmer, quand les éléphants se battent, ce sont les fourmis qui trinquent. À compter de 73, beaucoup de gens ont dû prendre la fuite à cause des bombardements américains. Ma question
compte tenu de ce témoignage de M. Ponchot qui a travaillé avec les réfugiés, ce témoignage donc ne correspond pas à vous, aux entretiens que vous avez pu avoir avec les déplacés que vous avez rencontrés à Phnom Penh. No. Alors, peut-être, dans le cadre de la procédure, je dois faire des clarifications. Je n'ai pas d'attente particulière, je n'ai pas à être déçu ou pas déçu de ce que vous dites. Vous êtes un témoin devant cette chambre et vous êtes tout à fait libre de dire tout ce que vous avez à dire en fonction de votre connaissance. Maintenant, nous sommes dans le cadre d'une procédure criminelle et dans ce cadre-là, je suis habilité à présenter des éléments de preuve au dossier pour essayer de soit faire réagir les témoins que j'interroge, soit leur faire préciser des points, et c'est uniquement ces choses-là que j'entends faire avec vous. Donc, en aucun cas, il n'est dans mon intention de vous faire dire des choses que vous n'avez pas envie de dire. Simplement, en toute équité, je vous soumets des choses qui ont été entendues devant cette chambre, simplement pour confronter les différentes expériences. Donc, votre déclaration selon laquelle M. Ponchot a pu interroger d'autres gens et plus de gens me convient parfaitement, puisque c'est votre témoignage. Vraiment, je tiens vraiment à préciser que je suis pas ici pour rentrer en conflit particulier avec vous. Je suis là pour faire en sorte que votre témoignage, en fonction de ce que vous avez vécu, puisse être confronté avec l'ensemble des preuves devant cette cour. Je tenais à faire cette précision parce que je pense que, comme j'ai d'autres choses à vous faire, d'autres documents à vous faire commenter, je veux que ce soit clair sur les intentions, mes intentions de départ. Monsieur Schoenberg, est-ce que vous avez eu la traduction? Est-ce que nous pouvons poursuivre? Mình túc cùng liệt về lý xong trọp rồi mẹ ở nhà bộ phái phía xa nhưng xong
ទាំងមេធាវីការពារក្តីទាំងដៃជំនអ្នកសួរហើយនិងលោកស្កិនបឹកដៃជំនអ្នកឆ្លើយសូមទុកកម្រិតពេលវេលាបន្តិចក្រោយពីបានការបានសួរនិងក្រោយពីបានឆ្លើយដើម្បីឲ្យការបកប្រែភាសានឹងបានពេញលិញបានល្អបាទសូមជម្រាបតទៀត Thank you, Your Honor, for your guidance. សូម អរគុណ លោក ប្រធាន ដែល បាន ណែ នាំ មក ខាង ខ្ញុំ. Donc, Monsieur Schoenberg, je poursuis. Schoenberg, je poursuis. En termes de... Et pour terminer sur ce point des bombardements américains, en ce qui concerne la quantité de bombes larguées pendant le conflit au Cambodge, est-ce que vous avez, vous vous souvenez des chiffres qui ont été avancés à l'époque en termes de tonnage de bombes larguées sur le Cambodge? I remember people using the tonnage and saying that some of the bombing was even more than was dropped on Germany or whatever during World War II. I'm not objecting to that. Dans le cadre de ce procès, et là encore, je vais vous citer un passage d'une preuve qui est versée devant cette cour. Nous avons entendu un expert du nom de Philippe Short, qui a écrit un ouvrage à l'attention de la Chambre et des partis. Il s'agit du document O3-9, et je vais citer un extrait. Les numéros ERN en français 00639734. Et je vais poursuivre à la page suivante, donc en français 00639735 et en anglais l'ERN. Et le 00396416. Donc voilà ce qu'écrit l'expert dans son ouvrage à propos de la quantité de bombes larguées. Pendant la guerre du Vietnam, c'est en bas de page en français, le dernier paragraphe. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis larguèrent sur l'Indochine trois fois plus de bombes que la quantité utilisée par la totalité des participants de l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Le volume qui s'abattit sur le Cambodge fut trois fois supérieur à celui qui tomba sur le Japon, bombes atomiques comprises. Donc, première question, vous avez évoqué tout à l'heure effectivement la quantité utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que sur la question du Cambodge et cette comparaison avec les bombes tombées sur le Japon, est-ce que ça correspond aux éléments que vous avez eu à connaître à l'époque de la part de vos sources militaires? Je vous remercie. Je vais passer à un autre point. Excusez-moi, j'ai oublié de citer le passage que je voulais aussi confronter à votre expérience. Donc à la page suivante, je pense qu'en anglais c'est la même page. En français, donc c'est le RN qui se termine par 736. Voilà ce que dit
l'expert dans son ouvrage à propos des conséquences de ces bombardements. Il dit les conséquences furent doubles. Des centaines de milliers de villageois s'enfuirent vers les villes où ils menèrent une existence précaire au bord de la famine. La population de Phnom Penh, qui comptait 650 000 habitants au moment du coup d'État, dépassait le million à la fin de l'année et atteindrait les 2 millions et demi en 75. En ce qui concerne le chiffre de 2 millions et demi en 75 à Phnom Penh, est-ce que ça correspond aux chiffres que vous avez eus à l'époque en termes de déplacés ou de réfugiés?
Monsieur Schoenberg, est-ce que vous avez eu la lecture, enfin la traduction de, du passage que je vous ai lu de l'ouvrage de Monsieur Short? Could you give me the numbers again? Oui, donc je vous relis la dernière partie de la citation. La population de Phnom Penh, qui comptait 650 000 habitants au moment du coup d'État, dépassait le million à la fin de l'année et atteindrait les 2,5 millions en 1975. Donc est-ce que ce chiffre de 1 million à la fin de l'année 70 du coup d'État et 2,5 millions en 75 correspond au chiffre que vous avez eu à l'époque, chose que vous avez pu constater à Phnom Penh? My response, I think, which was cut off by the break, my response to your question was that I testified to those figures, I believe, yesterday, and if not the day before, it was 1 million at the start, and it was over 2 million at the time of the evacuation. Je vous remercie. Un dernier point, c'est une précision que j'ai oublié de vous demander tout à l'heure. Vous avez indiqué que vous n'aviez pas de contact direct avec des Khmer Rouges ou avec des membres du FUNK, mais que vous aviez des intermédiaires. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser quels étaient ces intermédiaires, si vous pouvez aujourd'hui révéler vos sources? I think you've got my testimony mixed up. If you're talking about the leaders of the Khmer Rouge organization, I never spoke to any of them. I didn't send anybody else to talk to them because they had been killed. And what I know about it is, and that's, I don't think I can answer your question, because I think you framed it in a way that it wasn't what I was doing my reporting. Je pense, M. Schoenberg, que nous devons avoir un gros problème de traduction. Un petit peu plus tôt, tout à l'heure, lorsque je parlais de vos méthodes de travail, je vous ai demandé si dans le cadre de votre travail à Phnom Penh, vous aviez des contacts avec des sympathisants Khmer Rouges ou des Khmer Rouges à Phnom Penh, et si vous aviez eu l'occasion de vous entretenir avec des sympathisants ou des membres du FUNK. Et j'ai cru comprendre de votre réponse que vous n'aviez vous-même personnellement pas eu de contact avec ces personnes-là, mais que d'autres personnes, des intermédiaires, vous donnaient des informations à ce sujet. Est-ce que j'ai bien compris ou j'ai mal compris votre réponse? Intermediaries are not necessarily all reliable, and you don't know their political beliefs or anything else like that. And unless they came back with some surprising or new or fresh news, I wouldn't have written any stories about it.
Bon, je vais donc passer à un autre sujet. Avant d'aborder quelques passages de votre journal du Cambodge, vous avez bien indiqué, répondant aux questions de ces deux derniers jours, que entre le moment, et je veux être sûr que j'ai bien compris, que entre le moment où vous arrivez à l'ambassade de France le 17 avril 1975, donc en fin d'après-midi après être passé à votre hôtel, et le 30 avril, date du départ du premier convoi de l'ambassade de France vers la Thaïlande, vous n'êtes pas sorti de l'enceinte de l'ambassade de France. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? I took one walk outside the embassy. We had no water to bathe or wash. And there was a body of water about 100 yards behind the embassy. And a few of us left to go down and clean up. And we met some soldiers. They asked us questions. They were not hostile or threatening. The only thing that one of them said that was negative, he said, I should get a haircut. They made us extremely nervous. Not knowing, you know, they were carrying heavy weapons. And so we got back into the embassy, and so that's the one time that I moved outside the embassy. Je vous remercie de ces précisions. J'en viens maintenant à, je pense que je vais le faire par ordre à peu près chronologique, des passages que je souhaite vous faire commenter de votre journal. Donc il s'agit du document E236/1/4/3.1. Et le premier passage que je voudrais vous lire se trouve à la page 4, au dernier paragraphe. Le RN en anglais, c'est le seul qui existe, est le 00898212. C'est le 6 janvier. 75, et vous parlez d'un déplacement en compagnie d'un attaché américain et de soldats de l'ONNOL. Et je vais devoir, avec toutes mes excuses, citer le passage en anglais. Je commence. Dernier paragraphe. Donc. At another government position on the road, the insurgents are still sending in rifle and mortar fire, and an American army attaché who has just visited the front traces back to Phnom Penh in his jeep. His head duckered low and his rifle across his lap. The government soldier at the post, however, seemed unimpressed by the enemy harassment. They proudly want to take us out into the fields to show us insurgent bodies from which they have cut the livers. It is a widespread belief that if you eat the liver of your enemy, you will gain strength and courage, and maybe even magical good luck. We start to look at the bodies, but there is suddenly a burst of incoming
small arms fire, and we dug back into a bunker in the garrison. Our soldier guide, realizing our predicament, simply shifts the focus of his tool. He points around the compound to some cooking pots bubbling over wood fires. We are getting ready to eat the livers now. Fin de citation. Hier, répondant à une question de mon confrère Copé, vous avez indiqué, alors c'était en anglais, je ne sais pas si ma traduction est bonne, mais que la guerre n'est pas une occupation saine et qu'il y a quelque chose de bestial. Est-ce que dans le cadre de cet événement, là particulier, nous sommes dans ce que vous vouliez dire hier à mon confrère Copé sur le fait que quand on parle de guerre, oui, on parle de morts, de blessés, de choses pas toujours faciles à comprendre lorsqu'on est un civil. Est-ce que c'était ce type de choses que vous pensiez? No, I wasn't really thinking about the bestiality of war, but I was just, it was something that was very primitive, and I had a negative, reaction. When I say that war is bestial, what I'm talking about is that once each side trains their people to kill the other side, and men come back with tremendous disabilities, not just physical ones. But Bong no Kai Sampatia, some of the Kai Sampatia, Moy Hai, Dam Bobby South Kyung, very few wars. You get a winner. And that's it. And then the governments proceed to behave the way governments behave. But was that a beautiful thing? Sure. Enemy soldiers, I would hope if they knew more about it, they wouldn't be so eager to do anything to do with wars. Un autre point que je souhaiterais aborder avec vous et que vous avez à la fois abordé dans votre journal du Cambodge et dans des articles, je vais commencer peut-être par un article que vous avez écrit le 29 mars 1975 à l'attention de la Chambre des partis. Il s'agit du document E236/1/4/3.1 et en français l'ERN est le 00789697. C'est un article du New York Times du 29 mars 1975 intitulé « Au Cambodge, un anniversaire sous le seul signe de l'abattement ». Et l'ERN en anglais et en khmer, alors en anglais 00773772 et en khmer 00775767. Le passage que je voudrais vous citer
en français cette fois-ci, est à peu près au milieu de la page et le paragraphe commence par « Cette vigueur s'est dissipée ». Je commence la citation. Et là, vous évoquez, Monsieur Schoenberg, vous évoquez la corruption qui règne au sein du gouvernement de Lon Nol à l'époque. Et vous dites, l'inefficacité du gouvernement, son inhumanité et sa corruption ont rempli la population d'aigreur et de ressentiment. Certains étudiants et professeurs ont pris le maquis pour rejoindre les insurgés. On ne s'engage plus dans l'armée. Au contraire, on fait tout pour y échapper. Ceux qui ont les moyens paient pour se faire exempter, mais ils sont souvent rattrapés par la police militaire et emmenés vers des camps d'entraînement. Je saute un paragraphe et je poursuis. Vous mettez la raison, la corruption. La corruption est la principale raison de la baisse de popularité du gouvernement. Je vais vous citer un passage maintenant de votre journal. Il s'agit de... Donc, dans le document E236-1-4-3.1, c'est au 7 janvier, page 5, pour vous, M. Schoenberg. Le RN est le suivant, 00898213. Et au troisième paragraphe, vous rapportez les propos... d'un ambassadeur, vous dites, et là je vais le faire en anglais. A Western ambassador talked to a visitor about the corruption in the London government, long an endemic problem here and an acute embarrassment for the Americans, whose head money is ending up in the pockets of generals and other war profiteers. Fin de citation. Ma question, suite aux deux passages que je viens d'évoquer avec vous, ma question est la suivante. À cette période-là, est-ce que de vos sources diplomatiques américaines, est-ce que vous savez si cette corruption a été à l'origine des difficultés du gouvernement américain de voter de nouvelles aides au gouvernement de Lon Nol de l'époque? Est-ce que ça fait partie des raisons qui vous ont été énoncées par vos sources? My response to those passages and stories is that I wrote many stories about the corruption and I really think that there's no more to say. You read what I wrote. I think it's true. There isn't anything more to say. You can find several stories, including page one stories about that corruption. Yes, there was corruption. That's all. Je ne sais pas si vous avez eu la traduction de ma question. Ma question était de savoir, par rapport à cette corruption que vous avez évoquée, si au niveau de vos sources diplomatiques, au niveau américain, vous savez si cette corruption a joué dans le fait qu'il a été difficile, enfin qu'il y a eu un refus plutôt, de voter une nouvelle aide au gouvernement de Lon Nol. C'est ça ma question. Donc si vous ne savez pas, vous ne savez pas, mais c'était ça la question.
It's only an opinion, but I will answer the question. I think the reason for that was that everybody was sick of the Vietnam War and wanted to get out of Southeast Asia and close down the war completely. That's my belief, not a fact. J'en reviens à un autre passage de votre journal, c'est la page 41 cette fois-ci, ERN en anglais 00898849. C'est le troisième paragraphe que je vais également citer en anglais. Vous évoquez dans les paragraphes précédents les problèmes de faim au niveau de Phnom Penh, et vous dites, je commence la citation en anglais, "But not all Cambodians are angry. A lieutenant colonel whose troops are in disarray on a highway southwest on the city enjoyed a long and expensive meal with his family today at the pool of the Hotel Le Phnom. I asked him about an episode last night in which government artillery batteries mistakenly fired on their own troops in the area. The smiling, rotten colonel says the mistake was regrettable, but he quickly adds that such things happen all the time in war. The mistaken firing killed at least 20 men and panicked government troops into a sizable retreat." Fin de citation. Ma question, et c'est en lien aussi avec le passage de votre article que j'ai cité tout à l'heure sur la démoralisation des troupes, la démobilisation des troupes de l'UNMNOL à cette époque. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté à cette époque, à savoir que quand bien même le gouvernement américain, en tout cas les diplomates américains souhaitaient que l'on puisse continuer l'aide au gouvernement de l'UNMNOL, que quand bien même cela, la démobilisation et l'état de l'armée rendaient difficile une continuation de la guerre. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à effectivement ce que vous avez constaté? I observed. I've talked about these things before. I don't have any new answers. I have no interpretation of that. That's just the way it was. And I can't read people's minds. So that you would have that, that's all. That the public can read it. Monsieur le Président, je vois qu'il est 11h30. Je bientôt fini mon interrogatoire, mais je demande l'indulgence de la Chambre compte tenu de la pause, enfin des difficultés techniques que nous avons eues pour me permettre de terminer mon questionnaire. Je pense que j'en ai moins de 10 minutes, ça c'est sûr, plus près de 5, hein, si vous m'accordez cette prolongation. Je vois que vous hochez la tête, donc je continue. Un autre point que vous évoquez dans votre journal, et qui se retrouve également dans l'article que j'ai lu précédemment, donc très rapidement, c'est le document E131/1/13.4, le RN en français 007 89 697.
le RN en Khmer 00775767, le RN en anglais 00772772. Voilà ce que vous indiquez dans cet article, même que j'ai cité tout à l'heure. Au cours des 5 années de guerre, Washington a annoncé l'octroi de près de 2 milliards de dollars d'aide au Cambodge, pour l'essentiel au titre de l'assistance militaire et très peu pour des projets humanitaires en faveur des réfugiés. Ma question est la suivante. Quelles ont été vos sources pour ces chiffres que vous citez dans cet article, si vous vous en souvenez? What I remember is that I believe these figures came from the government. Either they were published out of Washington, or they were given to me by the embassy. I don't remember who exactly gave me those numbers. But I remember who exactly. J'en reviens maintenant à un passage de votre journal qui fait écho à ce point-là. C'est page 7 de votre journal, ERN 00898215. C'est le 11 janvier et c'est la dernière phrase. Et voilà ce que vous dites, je cite en anglais. Foodies chant. Some is being airdropped by American planes, but this is for the troops and not for the civilians. Je vais également citer un autre passage, qui est cette fois-ci à la page 18 de votre journal, ORN 00898226, 27 février, première phrase. Supply airlift is expanded again. Starting today, chartered planes are bringing in rice for the first time. Up to now, it's all been ammunition and military fuel, but no food. Fin de citation. Comme je suis pressé par le temps, simplement, est-ce que vous souvenez de ces passages-là et de savoir comment vous avez appris que ce n'est qu'à partir du 27 février 1975 que, par voie aérienne en tout cas, on a envoyé du riz pour la population et pas uniquement pour les militaires. Est-ce que vous vous souvenez? Sinon, je passe à un autre point. Yes. Un autre point que vous abordez dans votre journal, cette fois-ci, c'est Est-ce que je vous ai interrompu, Monsieur Schoenberg? What is your question? Non, c'est bon, je pensais que je n'avais pas entendu. Vous avez répondu oui. J'avance pour des raisons de temps. Vous avez évoqué ce point hier avec mon confrère Copé au sujet de bombardements aériens effectués par les troupes de l'ONOL et vous avez également évoqué avec lui l'assistance militaire qui avait été évoquée. Un point de précision sur cet élément. Dans votre journal, cette fois-ci, c'est à la page 19, ORN 00898227, vous évoquez une délégation de membres du Congrès qui viennent à Phnom Penh. C'est le 1er mars.
Je cite en anglais, premier paragraphe en dessous de la date du 1er mars. A delegation of six congressmen fly into Phnom Penh to assess the president's request for emergency military aid. That is ostensibly to decide Cambodia's fate. Je passe au troisième paragraphe. Et vous évoquez la scène suivante. Je recite en anglais en parlant d'une. Excusez-moi, en parlant d'une conversation entre deux femmes présentes à ce moment-là. Voilà. Donc en anglais. Look out the window, Millicent. Do you see the smoke? That's the world on there. Millicent and others look down, and someone says, it looks like napalm. And Millicent says, how to do they fire that? And the newsman on the plane replies, from airplanes. Whose airplane, she asks. The government, the newsman says. The other side does not have any. Fin de citation. Ma question est la suivante, Monsieur Schoenberg. Est-ce que le journaliste que vous citez dans ce passage-là, enfin déjà premièrement, est-ce que vous étiez présent lors de cette scène ou c'est une scène qui vous a été rapportée? Et est-ce que le journaliste qui indique que les Khmer Rouges n'avaient pas de force aérienne avait raison? Pardon. Je demandais si la personne que vous citez qui indique que les Khmer Rouges n'avaient pas de force aérienne, est-ce que, à votre connaissance, il avait raison? Yes. Et dernier point. Monsieur Schoenberg, et j'en aurai terminé, c'est la page 91 de votre journal qui a été évoqué rapidement avec mon confrère Copé, mais je voudrais des précisions. ERN 00898-299. C'est au deuxième paragraphe. Et je vais donc passer à l'anglais. 10:30 a.m., Henry Becker, another of the survivors, arrives at the embassy. A French expert at the Information Ministry he stayed on his job under the new rulers until this morning when they told him he had to come to the embassy. Fin de citation. Je précise, parce que ça n'apparaît pas sur la page, que c'est ce que vous avez marqué à la date du 21 avril 1975. Si je comprends ce que vous indiquez, ce monsieur arrive le 21 avril au matin du ministère de l'Information, où, si j'ai bien compris, il était resté jusqu'à cette date-là. Vous avez indiqué avoir fait un bref passage au ministère de l'Information le 17 avril 1975. Est-ce que vous avez vu M. Henry Becker à cette date-là au ministère de l'Information? Ce passage de votre journal, 10:30 a.m., que je viens de vous citer,
c'est quelque chose que l'on vous a rapporté ou si vous dites vous le citez dans le cadre de votre journal, est-ce que c'est quelque chose que vous a rapporté ou vous voulez simplement dire que vous ne le connaissiez, vous ne le connaissiez pas lorsque I met him. That was when he came to the embassy. Vous dites, Baker has some interesting things to tell. He says Chiu Samphan, the top Khmer Rouge leader, has not yet arrived in Phnom Penh. Fin de citation. Ma question est la suivante, est-ce que c'est des propos qu'il vous a tenus lui-même, vous étiez présent quand il disait cela, ou est-ce que c'est quelque chose que l'on vous a rapporté? Et au paragraphe suivant, et ce sera ma dernière question, en anglais je cite, Baker further reports that the town is a shambles, empty and looted, and that there have been a lot of fires. He personally has seen no fighting between different Khmer Rouge factions, but some Cambodians told him that there had been some fighting over the demarcation of sectors in the city. Fin de citation. Là également, ce sont des choses qu'il vous a dit lors de votre discussion. Et ma question est la suivante. Vous avez indiqué que le 17 avril 1975, vous-même, le temps que vous avez pu passer dans la ville, vous n'avez pas eu différentes factions, vous n'aviez pas eu l'impression qu'il y avait différentes factions, mais si je me souviens bien, vous aviez indiqué que vous avez vu qu'il y avait des Khmers rouges qui avaient l'air plus aguerris que d'autres. Est-ce que vous avez eu d'autres rapports ou d'autres discussions avec des personnes qui seraient venues plus tard et qui vous auraient indiqué qu'il y avait qu'il pouvait y avoir des dissensions entre différentes factions Khmer Rouge, en dehors de ce que Baker vous a indiqué ce jour-là. Who the groups were that were fighting over things. The victory. We talked to their leader, and I think he was, how should I put it,
He had never met the Khmer Rouge generals or leaders. And he was all excited about trying to be part of the victory. Later in the day, he and his followers disappeared. I have no idea what happened to them. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre patience et Monsieur Schoenberg, je vous remercie également de votre patience parce que je sais qu'il est tard chez vous. Thank you. Som okun luk serai. Okun, okun luk Skenberg. Ka sedap thai kam ba luk lho da pul ni ban chop hai. Luk Skenberg, I will talop tu talop tu kan lam nơi than hai bình ban hai hai luk Skenberg. Hai ang jimra som okun chung po luk dai ban jim nai pi bili do min dam lai. ឯចូលរួមផ្ដល់តក្កិកម្មឲ្យដល់អង្គជំនួយជំរះឡាដំបងក្នុងរយៈពេល 3 ពេលនៃថ្ងៃសប្តាហ៍ការកន្លងទៅនេះប្រកបដោយភាពអំណត់អត់មុតនិងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពលទ្ធភាពរបស់ខ្លួនហើយសក្តិកម្មរបស់លោកនឹងអាចរួមវិភាកទីនក្នុងការស្វែងរកការពុតនៃរឿងក្តីនេះសូមជូនពរលោក Thank you. Som okun luk pathean luk ruk srei chakram. Khnyom som thlai amno kun chompol luk ruk srei tam ah da ban padal akas mok khnyom dambei pipisa ampi pathean abat tam ah ni hai nok ban chou rum nei knong damna ka nei te vithi ni khnyom ket tha ve chea ka chumnum chumreah do somkhan hai lo muay hai khnyom ket tha ka damna ka nei te vithi ku mean lakana chea damna ka បែប អាជីព តុលាការ ដ៏ ល្អ គួរ ឲ្យ កោត សរសើរ ហើយ សូម ថ្លែង អំណរ គុណ សារ ជា ថ្មី ចំពោះ លោក លោក ស្រី ជា ក្រុម និង ជា ពិសេស លោក ប្រធាន បាទ អរគុណ ជម្រាប លា បាទ ឥឡូវ នេះ ដល់ ពេល សម្រាប់ ថ្ងៃ ត្រង់ ហើយ ឲ្យ មេ ប្រកាស សម្រាប់ ពីចាប់ ពី ពេល នេះ ទៅ រហូត ដល់ ម៉ោង 1 រុស្ស៊ី នេះ សូម អញ្ជើញ ចូល វិញ ដើម្បី បន្ត កិច្ច ដំណើរការ សម្នាការ ហើយ សម្នាការ នៅ រុស្ស៊ី នេះ អង្គ ជម្រះ នឹង ធ្វើ សម្នាការ ស្ដាប់ តក្កិ កម្ម សាក់សី ដែល មាន រហស្សនាម thì CW 665 hay xôm phía kia này rương khá đấy bộ cơ lực còn trâu đồng nà ca xàm nà ca rà bọ ông chúng ta là tổ bố nâng sát nhận chuẩn triệp hay bộ cơ bói ảnh đồ đẹp thì không khác nông khuôn lục kêu dùm hòn tà lọc tất cân bật tục xâm rạ nơi kháng kròm bật tục xàm nà ca ní hay nâng bộ cơ bói nông khuôn có tà lọc một châu ruông xàm nà ca nâng nông bật tục xàm nà ca ní vĩnh nơi đề xíu ní hãy bàn môn mỏng mùi xâm rạ cho xôm trên cao chào